Hey, toi, si tu aimes bien ce contenu, like, commente, abonne-toi. Et toi, mets un petit pouce vert, partage, qu'est-ce que tu veux. En tout cas, je te remets à la fin, mais je te remets maintenant. Allez, bonne vidéo à toi. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Stoner. Ce 13e vidéo de Stoner. J'espère que vous allez bien, que ça vous plaît. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter si vous avez envie. De me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il y a des choses à dire, si vous voulez que je renomme un personnage, si vous appréciez la série, s'il y a des choses à changer ou à modifier évidemment. Donc voilà. Alors comme vous pouvez le voir, je suis en pleine construction. Le parc avec le petit parc, avec la fontaine est fini. La maison ici est terminée. Cette maison n'est pas encore terminée, elle est encore en construction, celle-ci aussi. Et je suis en train de commencer une nouvelle bâtisse. Alors cette bâtisse, c'est... tout simplement la salle des coffres. Alors, la salle des coffres, où il y aura plein de coffres, évidemment. Pour l'instant, dans le bâtiment, il va se composer alors, de 3 étages. Mais pour l'instant, il n'y aura pas de coffre. Pour l'instant, comme vous voyez ici, il n'y a pas de coffre. Je vais devoir les bouger manuellement à l'intérieur, tout simplement. Donc voilà. Ce que on va commencer à faire. Donc l'hiver se fait, alors, on va quand même se concentrer aussi sur les métiers, évidemment, pour avoir ce géomancer un de ces jours. Il faudrait que je fasse le métier de poteur, il faudrait que je fasse les boucliers, tout ça. Donc, à voir. L'eau de 2. Donc voilà, vous voyez les nouveaux bâtiments que j'ai eu en possibilité de construction. Donc voilà, tout simplement, j'étais en train d'essayer de construire des nouveaux objets. Donc ça, je vais pas les construire tout de suite, je pourrais. Mais, bah voilà. Faut que j'en fasse plus de ça. Parce que, c'est bien beau, mais il faut que j'ai des plantes. Et là, les plantes, on en a pas beaucoup, comme c'est l'hiver. L'hiver est un peu problématique. J'ai réussi à faire mon coffre de 256, mais il est déjà rempli. Enfin, le bâtiment est construit ici, la maison est construite, vous avez vu. Donc, voilà, ce sera une petite maison tranquille. Après, on va essayer d'enlever tout ce stock-là pour en mettre dans les coffres. Et après, bah, on va en mettre tous ces petits coffres tout simplement dans la salle des coffres. Quand la salle des coffres sera construite et ce grand coffre, on va le mettre dans la salle des coffres aussi. Mais pour l'instant, je préfère les mettre à l'extérieur pour l'instant pour pouvoir m'y retrouver. Après, je les déplacerai manuellement parce qu'après, il faudra que je choisisse qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces coffres avant de les mettre. Tout simplement. Alors là, je mets les potions évidemment, puisque j'ai besoin de sélectionner de mettre des potions au cas où on m'attaque. Hein, donc je les mets quand même dehors. Parce que je vais pas les laisser comme ça en plein milieu. Par plein milieu. Je veux dire dans mon inventaire sans pouvoir être utilisé parce que bon, ça peut être utile en cas de bataille, en cas de baston, donc voilà. N'oublie pas, voilà, il y a toutes les tombes aussi, il faudra que je fasse une partie tombale aussi, pour mettre toutes les tombes. Voilà. Bon, ma ville n'est pas une ville très high technologie, mais bon, enfin, high design et tout ça, mais ça fait quand même.
Après, donnez-moi vos avis sur, en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je vais accélérer un peu le jeu pour que on puisse avancer un peu plus. Parce que là, bon, là, il manque pas grand chose. Ici, il manque pas grand chose dans la maison, je crois. Il manque quoi dans cette maison? Il manque deux objets que je peux avoir très rapidement avec le temps. Tout simplement. On va regarder les métiers, qu'est-ce que je peux faire de plus ou en nourriture. Tiens, je vais voir ce que je peux faire en nourriture. Parce que je sais que je pourrais avoir d'autres personnages, mais je vais pas les mettre en, là, en plus. Ça m'ira pour l'instant. Il faut une boucle. Oula, doucement ça. Il me faut une boucle, mais où je fais cette boucle? Je sais même pas où je peux faire cette boucle. Je sais pas ce que c'est. Alors, il me faut une boucle, mais je sais pas comment la faire. Moi, je vais la faire tout à l'heure. Ah oui, il peut m'acheter des... Ah, je peux acheter des coffres, parfait. Je vais l'acheter parce que j'en ai besoin. Et lui aussi. Parce que j'en ai besoin. Ça m'évite d'en faire. C'est pas plus mal. Alors, hop. Hop, je vais le positionner ici, comme je vous le dis. Hein. Je le positionne parce que c'est un des... Je vais le mettre directement à l'intérieur, il faut déjà que d'abord que je choisisse. Et puis après, je choisirai les étages. Premier étage, ce sera les coffres gris, et deuxième étage, ce sera les coffres en or. Donc voilà. Enfin, j'ai plus beaucoup de nourriture, comme c'est en hiver. On est un peu dans la difficulté, mais bon, ça ira. Ça va le faire, je pense, que on est bien, on sera pas mal, je pense. Si on n'est pas mauvais. Alors, divers s'installent, les fleurs ont du mal à pousser évidemment. Faut que j'essaie de faire des boucliers pour tout le monde. Voilà, ouais, il faudrait que je fasse un bouclier, mais là pour l'instant les minéraux c'est ce qui me manque. Là ils vont me faire ça. Il faut que je puisse avancer en. Qu'est-ce qui me manque là? Il me manque ouais. Du style évidemment. Du style lingot, pas du style en général. Alors il y a un danger, ouais, ils sont là-haut évidemment, il n'y a pas mon côté tout de suite. Donc, il neige, il fait beau. Cette petite vue n'est pas magnifique. Une petite prise de vue. De nous, il faudrait que j'y fasse une église. Mais ouais. Il faut que j'agrandisse ces murs ici pour en faire une partie plus grande. Donc voilà, tout ce qui va me rester à faire, hein, c'est qu'ils finissent ça. Mais c'est marrant, ils ont plus de moins de difficultés à finir mon bâtiment qu'à finir ce bâtiment. Mais... Ça c'est normal. Je sais pas quand ça va se terminer l'hiver parce que enfin ça se finit dans 17 jours. Je suis pas prêt de finir. Hein. Ah, les ressources ça va être difficile. Je pense que je vais devoir les enfermer pour les protéger. Je sais pas si j'ai mon. Ouais, j'ai pas de. Que je regarde un truc. Est-ce que j'ai un chasseur et un. Je fais pas attention, mais je sais même pas si j'ai un chasseur. Si j'ai un berger déjà, j'ai un berger, mais est-ce que j'ai un chasseur? Non, j'ai qu'un berger, pas de chasseur. Donc,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre un plafond. Bon, ça va pas terrible, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, si je mets un plafond comme ça, ça va pas terrible. Alors, je vais essayer autre chose. Je vais essayer d'y mettre un prévôt comme ça. Hop, voilà. Je vais mettre comme ça, voilà. Ah non, ça va pas. Là comme ça, et je vais mettre un pilier, voire deux piliers, voir ce que ça donne. Je sais pas comment je vais faire ça, comme ça. Je vous fais une petite construction là. Non, tu descends. Allez. Évidemment, ça va être impossible à construire si je fais comme ça. Ah, je vais avoir de mal à faire. Je sais pas si elle est. Voilà. Moins gêné. On est vilain. Voilà. Hop, ici. Non, c'est pas terrible, non. Je l'ai fait trop haut. Trop près. Faut que je le fasse juste à côté. Ici. Voilà. Là, ça devrait le faire. Voilà. Un petit pilier là. Hop. Voilà. En plus, c'est que du bois, donc ça va pas demander grand chose. Hop. Voilà. On va voir ce que ça donne pour les ressources, on va voir si ça les protège un peu ou pas. Alors lui il me donne quoi? Décoration, non, non, si tu veux pas. Qu'est-ce que je peux lui vendre? Ouais, je lui vends tout ça, ça me sert à rien. J'en ai plein, comme vous le voir. Hein. J'en ai plein de partout. Mais c'est pas ce que j'ai besoin. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais essayer d'en poser un, voir ce que ça donne. Ah, j'ai ça. J'ai ça aussi. Je vais vendre ça puisque j'en ai en trop déjà. Et puis pas mal de massue à faire aussi. Et de la pierre. Ça. La pierre, ça prend mal de pas. Donc je vais en vendre une partie. Ah bah j'ai plus d'argent. Je l'ai ruiné. Ouais, sauf que je veux pas. Pour l'instant j'en veux pas. Donc c'est... Lui il tient en équilibre, hein, il fait des clowns. Sur le pilier, hop, voilà. Là, ils font les échappements. Donc là, il y a un petit vilain. Ok, donc ils sont presque finis la salle décor. Ça, c'est cool. Et ils ont commencé le chapeau de la construction
de ma grange. Hein. Vous voyez ici déjà il n'y a plus de neige. Non. On verra ce que ça vaut. Sur le long terme. Si ça protège mes productions ou pas. Après je le fais pas partout, ça me sert un peu à rien. Et puis en même temps j'ai pas la place pour faire partout. Parce que sinon ça va empiéter sur la terre et ça va pas le faire. Ça va pas faire très joli. Donc voilà. C'est vrai qu'en attendant, ça... ils n'ont pas fait ici, mais de toute façon, il y a deux niveaux. Ils ne peuvent pas monter pas en haut. Donc voilà. Je vais voir si mon coffre s'est bien rempli. Bon, il n'y a pas dans le monde, il n'y a pas dans le coffre. Je vais voir si ça je peux le vider. Après il y en a 400. Ça fait beaucoup, 400 à l'intérieur. Tout vider ici ce sera impossible. Il faut que je vois si on en construit un nouveau. Non, pas tout de suite. On verra ça. Il faut que je vois pour faire cette ceinture. Non ceci, non, pas. Mon livre fait des recherches. Hein. Pas des boucles. Peut-être lui. Non. Ça peut pas être lui, c'est sûr. Il pourrait en faire un. Je sais pas pourquoi il en fait pas. Bizarre. Parce qu'il y a ça, mais ça, c'est mon dieu. Ah, c'est lui qui peut en faire. Je savais pas qu'un herboriste pouvait faire. En fait, c'est une boucle toute simple avec des herbes spécifiques. Ok, d'accord. On va voir ce que ça donne. Donc là, l'hiver commence à bien battre des ailes, là. Donc, on est en plein hiver, ça va être un peu complexe. Mais si je veux, je peux ouvrir là, ici. Couper les herbes ici, clac, il faut prendre du bois, parce qu'on commence à manquer de bois. Ah, tiens, il y a un ennemi, là. Parfait pour s'exercer et pour aller chercher des ressources. C'est vrai que j'ai ce côté là mais personne m'attaque de ce côté là. J'ai aucun ennemi qui m'attaque de ce côté là, tout le monde est sur les falaises. Donc après hein, bon. Qu'est-ce qu'ils ont fini de construire? Ah bah ma salle des coffres a été terminée, voilà, parfait. Salle des coffres terminée, oh, pas mal hein, salle des coffres. Il y a un petit bug par contre sur la porte, mais c'est comme ça. C'est le seul bâtiment avec des créneaux pour l'instant. Là ça s'attaque. Et ici, pas mal de ressources en même temps, on a appliqué, donc c'est parfait. Il faut prendre pas mal de ressources, c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres ennemis dans le fond? Ah, il y a d'autres ennemis là-bas. Ça va pas me servir à grand chose puisque. C'est un peu loin, quand je vais prendre des ressources, là-bas, j'aurai du mal à défendre s'ils m'attaquent. Donc voilà. Je vais regarder l'état de mon village, qu'est-ce qu'ils en pensent. Ils sont normaux, ça va, ils sont pas tristes, mais ils sont trop heureux. Ah, des semences de nouveaux arbres. Des rosiers, je crois. Des arbres d'or. Je connaissais même pas, je vais voir si c'est intéressant ou pas, après. Est-ce que ça donne de l'or ou des trucs comme ça? Ce serait marrant que ça donne de l'or. Ça me ferait bien rire si ça donne de l'or. Mais bon, on sait pas bien. Qui ne t'entraîne à rien, comme on dit. Donc voilà. Hop. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter là-dessus. Hein. On va pas faire une vidéo trop longue non plus. Il faudra que je fasse ici. Un peu comme de l'autre côté, hein. Avec des tourelles. Pas les mêmes, évidemment, mais avec d'autres tourelles. En même temps qu'ils attaquent les vilains là-haut. Il faudrait que je fasse aussi un mur là-haut. Une entrée et un mur. Ce sera peut-être intéressant aussi. Donc voilà. Hop.
Les plantes sont là, dans leur petit enclos. Je sais pas si c'est l'ombre ou si c'est. Non, c'est pas l'ombre, parce que sinon tu verrais de la neige, un peu comme ça. Et là, on n'a pas. Donc, c'est sûr que ce n'est pas de l'ombre. Ce n'est pas de la neige. Donc, voilà, un petit préau que j'ai fait. Donc, bon, un peu basique. Hein. Enfin, je le décore un peu avec quelques petits éléments de décoration, comme ceci. Faudrait que j'en mette d'autres pour égayer un peu l'ambiance. Donc voilà, j'arrive même pas à retrouver le chemin, c'était où? Voilà. Donc voilà, cet petit épisode, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. J'espère qu'on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine!